Commencez votre couture comme habituellement, puis arrivez à 3 points de la pointe de colle, laissez l'aiguille plantée, soulevez le pied de biche et venez glisser, comme indiqué sur la vidéo, un fil entre votre dessus et votre dessous de colle. L'extrémité du fil que vous laissez libre, vous allez venir la plaquer contre votre aiguille. Réalisez à nouveau un ou deux points supplémentaires pour arriver exactement à l'endroit où vous allez pivoter, puis vous laissez l'aiguille plantée, vous reprenez le fil que vous aviez laissé libre, et à nouveau, vous allez le glisser entre votre dessus et votre dessous de colle. À nouveau également, vous viendrez exercer une tension sur ce fil pour bien le plaquer contre l'aiguille. N'hésitez pas à raccourcir le point de votre machine à coudre pour faire un dernier petit point, puis pivoter votre ouvrage et reprendre votre couture. Vous réaliserez exactement la même manœuvre quand vous aurez atteint l'autre côté de la pointe de colle. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre colle sur l'endroit. N'hésitez pas à bien ouvrir au préalable votre couture afin de pouvoir facilement venir ensuite modeler votre colle au fer à repasser. Et vous aurez pris soin de venir tirer sur vos fils. Comme vous le voyez sur la vidéo, vos pointes de colle vont ressortir. Vous aurez bien évidemment au préalable cranté ces zones-là.